Le bandeau qui est là au-dessus, si on passe en affichage normal, on voit qu'il est dans un bloc qui colle à la marge supérieure. Ça se passe dans le gabarit A. On va aller travailler ça dans le gabarit A. Menu, fenêtre, page, window pages, bien sûr. Vous allez double-cliquer sur le gabarit A. On va voir qu'est-ce qu'on a comme dimension de bloc ici pour le bloc qui contient ce bandeau. On a 9 mm de hauteur. Bon, on va peut-être diminuer ça. Vous avez le point de référence qui est indiqué ici en bas. Ça, c'est pas de la décoration, hein, c'est important. Ça indique quelle est, quand je modifie avec les valeurs numériques ici, quand je modifie les dimensions des blocs, quelle est la partie du bloc qui ne bouge pas. Dans ce cas-ci, c'est la partie du bas. Quand je vais modifier la hauteur, le bas va rester au même endroit là où il est. C'est le haut qui va bouger, grâce à ce point de référence. Donc je vais modifier ça. Donc c'est dans le gabarit A. Il faut aller dans la palette des pages, bien sûr, double-cliquer sur le gabarit A. C'est le gabarit qui influence tout le reste. Si je fais quelque chose dans ce gabarit, ça apparaît sur tous les autres, parce que c'est le grand-parent. Ben oui, c'est le parent du gabarit B et du C, qui eux-mêmes sont les parents du D, E, F, G. Alors si vous ne voyez pas la barre contrôle que j'ai là au-dessus, vous allez dans le menu fenêtre et vous demandez contrôle. C'est la barre contrôle. Voilà, oui c'est vrai que parfois elle n'apparaît pas. La barre contrôle ne fait que reprendre des choses qui sont dans les palettes. Alors par exemple, ce qu'on vient de modifier là, je pense que c'est dans la palette transformation que ça se passe. Menu fenêtre... Objet, mise en page, transformation. Ben oui, c'est là. Donc je vous explique que ce que vous voyez là, ça vient en réalité des palettes. Notamment ceci, cette partie-là, vient de la palette transformation. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher la palette transformation si vous avez la palette contrôle. Par le menu fenêtre contrôle. Et donc, je suis passé à 6 mm. J'ai rapproché le bandeau. J'ai éloigné du bord de la page en tout cas. Voyons ce que ça donne sur les pages en double-cliquant sur les pages pour aller voir et en passant éventuellement en affichage aperçu. Alors vous avez un problème pour y arriver, il faut vérifier la palette des calques peut-être, un menu calque. Est-ce que dans la palette des calques, vous êtes bien en train de travailler sur un calque qui s'appelle filet de dessus de page, qui est déverrouillé, les autres sont verrouillés? Bon, vous avez bien sélectionné le bloc là au-dessus avec la flèche noire? Ah ben oui, il faut indiquer sur quoi on travaille, c'est du vectoriel ici. Et puis il faut passer de 9 à 6, donc j'ai rapproché le bloc des éléments de la page, je l'ai éloigné de... Bien, alors ce qu'on va faire ici, c'est déplacer le bloc vers la page de droite en enfonçant la touche Alt pour faire une copie. Donc toujours avec la flèche noire. Vous enfoncez la touche Alt, vous le déplacez, et tant qu'on y est, on va aussi enfoncer la touche majuscule, la touche Shift, et vous le déplacez au-dessus des autres blocs roses de la page de droite. Vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule, Alt Shift, vous avez déplacé en faisant une copie. Bien, donc c'est une page de droite, on va pas faire la même chose que sur la page de gauche. La page de gauche indique le nom du magazine et... le fait que ce soit un hors-série qui s'appelle « Les globules blancs », sujet passionnant bien sûr. Et bien ici dans le bloc, on va changer. Vous allez mettre le curseur texte dans le bloc. Vous faites « Command A » sur le Mac ou « Contrôle A » sur le PC. Donc évidemment, menu édition, tout sélectionné, c'est ça. Vous allez enfoncer la touche suppression ou carrément directement taper quelque chose ici. Et on va indiquer de quoi il s'agit en fait. Hein. Vous connaissez ça dans les magazines, aussi dans les livres. Dans les livres, on va plutôt indiquer le nom du chapitre, mais ici on va indiquer le nom de l'article. Donc je vais indiquer par exemple, vous tapez ce que vous voulez. Moi je tape la vie privée des globules blancs. Voilà.
En fait, ils sont sur Tinder pour rencontrer des globules rouges. Mais ça ne marche pas, sinon on aurait des globules roses, évidemment. C'est la preuve que ça ne marche pas. Tinder, même pour les globules blancs, ça ne marche pas. Ok. Enfin, vous suivez la logique. Vous n'avez jamais vu de globules roses, donc... Bien, arrêtez de rigoler, de raconter n'importe quoi. Alors, je voudrais qu'il soit à droite. Donc, deux solutions. Menu texte paragraphe, la palette des paragraphes. Menu texte en haut de l'écran, paragraphe, la palette paragraphe. On peut indiquer qu'on aligne à droite. Mais, je vais garder l'alignement à gauche. Parce que, vous avez peut-être remarqué que sur la page de gauche, on a un truc bizarre, on a un texte qui est aligné à gauche là, mais on a sur la même ligne de texte un texte aligné à droite. Pour faire ça, on a utilisé, et là je passe en affichage normal, et je vois la balise ici, parce que dans le menu texte tout en bas, on a demandé d'afficher les caractères masqués. On voit une balise ici qui s'appelle la tabulation de retrait à droite. Tabulation de retrait à droite. En mettant cette balise là entre les deux, on arrive à chasser le texte vers la droite. Sur la page de gauche, le texte est en alignement à gauche. Et grâce à la balise, la suite du texte, ce qui suit la balise, est poussé vers la droite. Mais tant qu'à faire, on va faire la même chose ici, pour rester dans la même logique. Vous allez mettre le curseur texte au début de la ligne de la page de droite. Vous allez faire Shift Tabulation, majuscule tabulation, mais j'ai peur maintenant de vous donner des raccourcis clavier puisque vous mélangez tout. Hein? C'est quoi tabulation? Mais voilà, génération smartphone. Donc sur le clavier AZERTY, c'est la touche qui se trouve évidemment juste à gauche de la touche A. Majuscule Tab, Shift Tab. Ou alors, vous faites un clic droit, insérer un caractère spécial. Autre tabulation de retrait à droite. Voilà. Et comme je sais que vous aimez l'anglais, je pense qu'en anglais ça s'appelle le right indent tab. Alors vous allez enregistrer le document. On va changer le nom. Fichier enregistré sous, appelez-le 165. Voilà. Dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé. Alors, voyons un peu ça. Page de gauche, le bandeau de la page de gauche, il a trois styles de texte, comme on voit. Trois styles de texte, il y a du gras, du bold, il y a du italique. Comment est-ce qu'on appelle italique en anglais? Ouais, il y a un autre nom, mais bon. Ne me faites pas le coup chaque fois. Et voilà, et il y a le texte normal, régulier. Voilà. Et en fait, on a utilisé pour ça, précédemment dans le document, des styles de caractères. Allez faire apparaître la palette des styles de caractères, menu texte, style de caractère. Voilà. Quand vous sélectionnez le texte qui est là, sur le côté, on voit que c'est, il n'y a pas de style de caractère pour le modifier. C'est le texte tout à fait normal. Quand on est dans la palette caractère, on voit que c'est du Minion Pro régulier. Il n'y a pas de problème à 12 points. Par contre, quand vous sélectionnez ceci qui est en italique, on voit qu'il est devenu italique parce qu'on lui a appliqué un style de caractère. Là, il ne faut rien changer. On est juste en train de regarder. Ici, on voit que ça a modifié parce qu'on lui a appliqué du bold, un style de caractère qui s'appelle bold. Eh bien, ça explique pourquoi, sur la page de droite, voilà, le texte est en bold, il y a certainement ce style de caractère qui est appliqué sur lui. On va tester, on va sélectionner avec la flèche, avec le curseur, comme ça, sélectionner. Et voilà, c'est du bold. Il est modifié par un style de caractère. Je pense que ce sera plus léger si on ne lui met pas de style de caractère.
On veut mettre 100 styles de caractères. Donc on obtient du mignon régulier, alors que juste avant on était en mignon bold. Les styles de caractères, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Et cette ligne, c'est un paragraphe. Et on modifie une partie de la ligne. Je précise parce que beaucoup qui commencent en mise en page pensent que les styles de caractères, c'est pour modifier tout un paragraphe. Mais non, ça, c'est les styles de paragraphe. Ici, quand on veut modifier une partie d'un paragraphe, on utilise les styles de caractères. Alors voilà, on va éloigner encore, je pense, quand on regarde le document, on voit que ce serait bien que les éléments de page soient plus éloignés du bord supérieur de la page, parce que c'est un peu serré tout ça, ça respire pas, c'est foireux. Alors allons-y, vous allez dans la palette page, vous allez cliquer sur la page de gauche du gabarit A, et en enfonçant la touche majuscule, cliquez sur la page de droite du gabarit G. On va en fait modifier les marges sur tous les gabarits. Vu que les pages du document qui sont là en dessous utilisent les gabarits, elles vont se modifier aussi. Alors, vous avez activé les gabarits avec la clic majuscule clic. On va maintenant dans le menu page, marge et colonne. Menu page, marge et colonne. Vous avez ici la chaîne qui est cassée. C'est très bien parce qu'on veut des marges différentes au-dessus, en dessous, au milieu, aux extrêmes de la double page. Vous avez ceci qui est coché, c'est important parce que les blocs qui collent aux marges vont se modifier avec les marges grâce à ceci qui est enclenché. Ajuster la mise en page, ajuster la taille des polices, ajuster le contenu verrouillé. Bien, alors de tête, on va peut-être mettre finalement 30. Hein. Je vous propose de faire majuscule clic sur la petite flèche ici, comme ça vous passez directement à 30. Tiens, comme la case aperçue est cochée, on voit directement ce que ça donne derrière. Ok, ça calcule pas mal. Ça calcule pas mal parce que, voilà, il y a beaucoup de gabarits, il y a beaucoup de pages. C'est surtout les gabarits en cascade, là. Voilà, quand on zoome, on voit réapparaître le filet. Oh, c'est déjà un peu mieux, ça. On a déjà un peu plus de respiration, c'est un peu mieux. Bon, ben, d'après ce que je vois, voilà, il me semble que l'espace entre les images et le dessus de la page, c'est pas mal. Si je vais voyager sur différentes pages, ça m'a l'air bien. Mais le bandeau, par exemple, on va le remonter. Donc on va retourner dans le gabarit A. On va activer les deux bandeaux avec la flèche noire, bien sûr, ce bandeau-là, puis majuscule clic sur celui-là. Voilà. Ils sont activés tous les deux. Ou alors vous englobez comme ça, bêtement. Ça marche. Ils sont tous les deux sélectionnés. Vous avez toujours le point de référence qui est là en bas, c'est parfait. Et on va remonter, oui, parce qu'en fait, le texte dans le bloc, il colle sur le dessus du bloc, et donc le fait d'augmenter la hauteur du bloc remonte le bandeau. Et je pense qu'on peut facilement remonter à 14 mm. Ça devrait donner bien. Et ça devrait se voir sur toutes les pages. Voilà, quand vous allez voir sur les pages en affichage aperçu, vous devriez trouver un document qui n'est pas trop mal. Bon, eh bien, on va enregistrer le document ici. 166, c'est le numéro que je viens de lui donner. Alors, suite aux manipulations du document qui est donc passé d'un A4 horizontal vers vertical, les polices de caractère ont été redimensionnées. Et ça me paraît fort petit, ça. Ceci dit, avoir un interlignage important comme ça entre les lignes de caractère, c'est classieux, c'est bien. Mais malgré tout, par rapport à la dimension de la page, c'est petit. Donc on va aller modifier maintenant la taille des caractères, le corps du texte, le body text, le texte le plus courant dans le document, en fait. Hein, vraiment, le texte de base du document. Donc on va, avec la flèche noire, cliquer à côté de tout. On n'a pas besoin que quelque chose soit sélectionné en particulier, je clique à côté de tout. Et puis on va aller dans les styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Alors dans les styles de paragraphe, on a un groupe de styles, tiens, groupe de style 1.
et on a le style pour le corps du texte. D'ailleurs, est-ce qu'on est certain que le texte-là utilise ce style-là? Pour le savoir, on prend l'outil texte, on clique dans le texte. Tiens, on n'y arrive pas là. Non, parce que le calque est verrouillé, le calque qui contient le texte. Ah ben oui, il faut aller voir dans la palette des calques. On était en train de travailler sur un calque qui s'appelle filet de dessus de page. Je le verrouille et je déverrouille image et texte. Ah ben oui, parce qu'il y a des calques avec différentes choses dessus. Si on ne fait pas ça, ça devient très compliqué de travailler dans InDesign. Déjà, vous avez difficile. Oh, je suis mauvais. Voilà. Donc, dans la palette des calques, on ne travaille que sur le calque image et texte. Avec l'outil texte, si je clique dans le texte là, oui, je vois que c'est bien le corps du texte body, c'est parfait. Donc, en déverrouillant le calque image et texte, voilà, on travaille sur le calque image et texte. Tous les autres calques sont verrouillés. En cliquant avec l'outil texte dans le texte, on a pu vérifier dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, que ce texte dans lequel se trouve actuellement le curseur là, utilise réellement le style corps du texte body, mais modifié. Parce que suite à la transformation du document d'horizontal vers vertical, on avait autorisé la modification à ce moment-là. La case était cochée, autorisation de modifier la dimension du corps du texte. Donc ce qu'on va devoir faire ici, c'est pour chaque page, mettre le curseur dans le bloc chaque fois, faire CTRL-A sur le PC, CMD-A sur le Mac, et passer outre des modifications là, réappliquer le style, et ça, ça se fait, le petit signe plus, c'est ça qui m'indique, que par rapport au style, il y a des modifications manuelles sur l'élément actuellement sélectionné sur la page. Alt-clic. Voilà. Attendez, n'allez pas trop vite, je viens de le faire juste sur cette page-là, c'est parce qu'il y a une astuce, un truc. En général, quand je vous dis un truc débile, comme on va devoir le faire sur toutes les pages, je viens après avec une astuce pour qu'on ne doive pas le faire sur toutes les pages. Donc, si vous regardez maintenant, vous voyez que le texte a la dimension prévue, normale. Voilà, à gauche, le style qui a été réappliqué, à droite, le style qui n'a pas encore été appliqué. Donc, c'est vrai que c'est débile, parce qu'on n'a pas un document en flux continu, et même si on avait un document en flux continu, à partir du moment où il y a des sous-titres et des titres qui sont intercalés entre les paragraphes corps du texte, il faudrait sélectionner tout manuellement, c'est foireux. On ne va pas faire comme ça. Donc là, je vais même annuler ce que je viens de faire, et je vais vous montrer comment faire en sorte que le style qui était prévu au départ, corps du texte body, s'applique automatiquement sur tout, se réapplique automatiquement sur tous les textes qui utilisent ce style-là et qu'on se débarrasse des modifications qui ont été faites. Qu'on revienne au style tel qu'il était prévu, quoi. Si vous ne connaissez pas l'astuce qui va être montrée, c'est difficile. Alors, il y a peut-être une autre manière de faire que ce que je vais montrer, mais en tout cas, la manière que je vais montrer fonctionne. Alors, pour ce qu'on va faire là, vous n'avez pas besoin que quelque chose soit sélectionné. Vous prenez de la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Voilà. Ensuite, vous allez faire ceci. Dans la palette des styles de paragraphe, vous allez dupliquer le style corps du texte en faisant un clic droit, dupliquer un style. Bien. À la place du mot copie, je vais indiquer nouveau. Voilà, c'est le nouveau. C'est le nouveau style corps du texte body. OK. Le voilà. Mais il est identique au corps du texte body qui est actuellement utilisé par le texte dans le document, on est d'accord. Bien. Et vous allez faire ceci, édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. Alors, rechercher, remplacer, ça sert à rechercher
plein de choses, notamment le truc le plus basique, c'est rechercher un mot et le remplacer par un autre. Mais si vous laissez ceci vide, vous pouvez malgré tout faire une recherche et remplacer ici d'un format de paragraphe, un style de paragraphe, et le remplacer par un autre. Et c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez cliquer sur la petite icône ici pour indiquer quel style de paragraphe vous recherchez. Voilà. Style de paragraphe. Et on va chercher là dans le groupe de style corps du texte body. OK. Et on le remplace par quoi ? On va cliquer ici. Style de paragraphe. Corps du texte body nouveau. Ben oui. Et le fait de remplacer un style par un autre, mais qui en réalité est le même, va nous permettre de nous débarrasser de tous les overrides qu'on appelle en anglais, toutes les modifications manuelles faites sur les éléments et qui sont différentes de ce que le style précise. En principe, ça marche. Voilà. Donc, très intéressant. Quand vous avez fait une mise en page, vous pouvez utiliser cette technique de remplacement de style pour faire différents tests de mise en page. Vous voulez remplacer tel style de titre par un autre style de titre. Vous allez pouvoir rapidement, dans tout un document, tester différentes mises en page. Ici, on va cliquer sur « Tout remplacer ». Vous n'avez bien sûr rien qui est indiqué ici. On ne recherche rien. Et on ne remplace pas rien au niveau des caractères. Par contre, c'est le style qu'on remplace. « Tout remplacer ». Il en a trouvé 29. Apparemment, il y avait 29 paragraphes qui utilisaient le style « Corps du texte body ». Terminé. Et regardez ce qui se passe dans le document. Tout a été remplacé. Alors, bien sûr, le document ici, il y a des choses qu'il va falloir modifier. Je pense que les colonnes ici sont un peu pas assez larges. Oui, c'est foireux. Je pense qu'il faudrait transformer les doubles colonnes en une seule colonne, vu le document. Mais en tout cas, techniquement, ça a fonctionné. Voilà, ça, ce sera pour plus tard. Voilà, ça, c'est pas mal comme texte. Ça, c'est complètement foireux. Ça, c'est une double colonne qui va devoir être transformée en une simple colonne. Mais ce sera plus tard, ça. Vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous. On va l'enregistrer en 167. Alors, on va choisir une page où le texte n'est pas trop mal pour l'instant. Page 10. Vous avez la page 10. Donc, c'est un bloc où le texte commence là. C'est pas une suite. C'est pas un chaînage d'un bloc qui serait sur une page précédente. Par contre, le bloc là, oui, c'est la suite du bloc de gauche. D'accord ? Ce bloc là est la suite du bloc de gauche. Mais ça, c'est pas un problème. Alors. Donc, sur ce bloc ici, on va indiquer que le premier paragraphe va avoir une lettrine. Donc, vous prenez le curseur texte et vous mettez le curseur texte dans le paragraphe ici. Donc, il utilise quel style ? Ben, il n'y a pas de surprise. C'est corps du texte body nouveau. On vient de faire le remplacement. Mais ça, peu importe. Je vais de toute façon faire une modification manuelle sur le paragraphe avec la palette paragraphe. Menu texte paragraphe. Texte paragraphe. Vous avez peut-être des options que vous... J'ai peut-être des options que vous n'avez pas parce que j'ai installé les fonctionnalités japonaises. Que je comptais voir avec vous. Non, je rigole. Je ne vais pas devenir fou. Bon, alors, vous avez ici les réglages de lettrine. Voilà. Deux lignes, une lettrine de deux lignes. Ah ben oui, c'est magique. D'accord ? Bon, le nombre de caractères qui participent à la lettrine, c'est un peu foireux. On va laisser 1. Alors, le problème, c'est que j'aimerais avoir une lettrine qui déborde par le dessus. Si je vais dans Google, je tape « drop caps », c'est « lettrine ». Je vois dans la partie « images » des exemples de lettrines. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'appelle des lettrines modernes, telles qu'on les voit dans les
Magazine, vous avez des lettrines anciennes ici, un peu moyenâgeuses. Voilà, dans les magazines, on peut voir ce genre de lettrines, ça peut être sympa. Mais il y en a une ici qui est spéciale, qui est différente des autres. Le dessus de la lettre déborde en dehors du paragraphe. Et ça, dans InDesign, c'est pas prévu de le faire. D'office, il faut hacker InDesign. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, une lettrine qui déborde comme ça par le dessus, c'est pas prévu dans InDesign, on va faire ça. Vous allez ici, dans InDesign, indiquer que vous voulez une lettrine qui fait seulement une ligne et un caractère, bien sûr. Et donc, la voilà, la lettrine, elle est là. C'est le premier caractère. On ne voit pas que c'est une lettrine. C'est pas grave. Alors, petite parenthèse ici, ce qu'on a fait là dans le panneau, on aurait pu y aller par ici, évidemment, le menu de la palette paragraphe, et on a lettrine et style imbriqué, et on aurait pu ici décider de la même chose, une ligne, un caractère, parfait. Alors, on va aller créer un style de caractère spécial pour cette première lettre du paragraphe. Pour ça, vous pouvez cliquer à côté de tout avec la flèche noire, il n'y a pas besoin que quelque chose soit sélectionné. Et on va aller dans la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère. Voilà les styles de caractère. On les a déjà vus tout à l'heure, on les a vus tout à l'heure quand on a travaillé sur le bandeau du dessus. Vous allez faire un nouveau style de caractère ici. On va double-cliquer sur son nom. Non, même à droite, oui, non, sur son nom, c'est bien, juste le nom pour modifier le nom. Voilà, je vais l'appeler grande lettrine. Voilà, grande lettrine. Et alors, l'astuce, c'est que dans le style du paragraphe, on va indiquer que la première lettre du paragraphe, enfin, la lettrine utilise ce style de caractère. Voyez? Un style de caractère, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Et bien là, on va indiquer que, tiens, ce style de caractère, il va servir pour la lettrine du paragraphe. Alors voilà, vous mettez le curseur dans le paragraphe, le curseur texte pour indiquer que vous travaillez sur ce paragraphe. Alors où est-ce qu'il termine ce paragraphe au fait? Ouais, il est super long. Il termine en bas de la page. Hein. Vous voyez la balise de fin de paragraphe qui est là. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas avant, dans la colonne. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance, mais voilà. Comme ça, vous voyez que c'est un paragraphe et que sur la page de droite, on a un autre paragraphe là, un autre là, un autre là. Oui, parce que, je précise, parce que la notion de paragraphe n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Voilà. Depuis qu'on a remplacé dans le secondaire les cours de français par des cours de Zumba, on a quelques problèmes quand on parle de termes français comme les paragraphes. Alors, dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, on va aller ici dans le menu de la palette paragraphe jusqu'à la ligne lettrine et style imbriqué. Et vous allez indiquer que la lettrine, ben oui, elle utilise une ligne, un caractère, et elle utilise le style de caractère qui s'appelle grande lettrine. OK. Logiquement, si je vais modifier le style de caractère, ça devrait modifier la lettrine du coup. D'accord? Ça ne le fera pas sur toutes les pages, ça va le faire seulement sur ce paragraphe-là. Et l'idée, c'est qu'on va faire un style spécial, une variante de corps du texte. Quand on voudra une lettrine, on va appliquer le corps du texte avec lettrine. Ce sera un style de paragraphe qu'on va faire après. Bien, ben, vous pouvez cliquer à côté de tout, il n'y a pas besoin que quelque chose soit sélectionné particulièrement. Et on va aller dans les styles de caractère ici, double-cliquer sur la droite du nom du style grande lettrine, et on va les modifier ici, notamment les formats de caractères.
avec la case aperçu cochée. Voilà. Donc, je viens de double-cliquer sur le style de caractère grande lettrine juste à droite. Ça a ouvert les options de ce style-là. Je suis allé sur format de caractère de base. Et ici, à... Tiens, c'est en anglais. Ça, c'est parce que j'ai mon InDesign installé en plusieurs langues, sans doute. Ça se, s'embrouille parfois. Donc, pour la taille du caractère ici, vous modifiez. Avec la case aperçu cochée, là, directement, vous voyez derrière que ça fonctionne. Vous avez la lettrine qui déborde. Vous pourriez même la faire d'une couleur différente. Ici, on a couleur du caractère quelque part, là, couleur de caractère, voilà. Et on peut aller choisir une couleur existante ou en créer une. Pour la créer, il faut double-cliquer sur l'échantillon de couleur. Passer pour bien faire en RVB. Choisir la couleur qu'on veut. Cliquer sur Ajouter. Terminer. Ça s'ajoute à la liste au choisi. Donc c'est en double-cliquant que vous pouvez, en restant dans la boîte là de modification du caractère, vous pouvez ajouter une couleur. Double-clic sur l'échantillon. Création de couleur en RVB, modifier les curseurs, cliquer sur Ajouter, puis sur Terminer. Et elle est dans la liste en bas et vous pouvez l'appliquer. Voilà. OK. Et on va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Enregistrer sous 168. Alors ça, c'est un hack gentil et facile. Il y a un autre hack plus compliqué pour arriver à faire sortir la lettrine du bloc vers la gauche. D'accord? On peut faire varier sa taille, à quel point elle déborde vers le dessus, mais aussi à quel point elle va vers la gauche. Mais c'est un peu plus compliqué, ça nécessite d'utiliser ce qu'on appelle les styles imbriqués. Mais je ne le sens pas trop aujourd'hui parce qu'il est déjà 17h16 et ça, je ne le sens pas. Non, je ne le sens pas. OK. Alors, ce que vous pouvez tester, c'est jouer avec les deux choses. C'est-à-dire mettre le curseur texte dans ce paragraphe-là pour indiquer que vous modifiez ce paragraphe-là, n'importe où. Voilà. Aller modifier le nombre de lignes que la lettrine utilise. Ben oui. Le nombre de lignes que la lettrine utilise. Pour l'instant, c'est 1. Et là, vous pouvez donc augmenter. Voilà. Deux lignes, trois lignes, voilà. Génial. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut retourner maintenant dans le style de caractère. Là, je clique avec la flèche noire à côté, tout, je double-clique sur grande lettrine. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est super vicieux. C'est que j'avais mis une taille de lettrine de 48 points chez moi. Mais c'était quand elle était sur une ligne. Maintenant qu'elle est sur trois lignes, maintenant qu'elle est sur trois lignes, elle fait 3 fois 48 points cette lettrine. D'accord? Ça, c'est les trois lignes. Donc, je suis obligé d'aller retourner dans le style de caractère grande lettrine et aller modifier la valeur ici. Par exemple, je vais essayer avec 12, ce qui devrait me faire une lettrine de 36 points si elle est sur trois lignes. Touche tabulation pour valider. Voilà. Faudrait peut-être un peu plus pour qu'elle déborde parce que là, elle ne débordait pas. 16, 17, 18, je vais mettre 16. Voilà. 16 points de lettrine sur 3 lignes. Voilà ce que ça donne. OK. Est-ce que vous arrivez à un résultat qui n'est pas trop mauvais? Génial. Vous avez hacké les lettrines. Vous êtes hacker de lettrines. Super. J'enregistre. On n'est jamais trop prudent. Document 169, j'enregistre plus que nécessaire pendant la formation ici. Hein. Si je fais un vrai travail dans InDesign, j'enregistre pas autant, évidemment. Alors pour la suite, ce qu'on va faire, c'est ce paragraphe. Si on veut la même lettrine ailleurs dans le document, il faut faire un style. Ici, ce qu'on a, quand je mets le curseur texte dans le paragraphe avec ma lettrine, on a... C'est du corps du texte body nouveau, mais modifié. On a le petit signe plus.
On ne voudrait pas mettre à jour tous les paragraphes, avoir des lettrines, 40 lettrines partout dans le document, ça ne va pas aller. Donc là, c'est une approche différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau style de paragraphe. Allez-y, dans le menu de la palette des styles de paragraphe. Nouveau style de paragraphe. On va l'appeler corps du texte body nouveau. Body, c'est juste pour vous indiquer comment on indique corps du texte en anglais. Hein, sinon, après, vous nommez vos documents comme vous voulez. On est d'accord. Et je vais indiquer avec grande lettrine. Voilà. Et on a ici, d'après corps du texte body nouveau. Alors, jusqu'à présent, je vous ai dit qu'il fallait toujours, quand vous faites un style de paragraphe, à cet endroit-ci, vérifier qu'il est bien indiqué sans. Sinon, vous faites ce qu'on appelle du parentage de style. Mais, dans ce cas-ci, c'est très bien que le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine soit l'enfant du style corps du texte body nouveau. Quand je modifierai le style corps du texte body nouveau, ça va se répercuter aussi sur le style enfant. Ça va automatiser la mise en page. Ce sera des choses qui apparaîtront plus tard. On ne va pas tester ça tout de suite. Vous allez juste cliquer sur OK. Vous allez appliquer à ce style, à ce paragraphe dans lequel le curseur se trouve, vous lui appliquez le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Rien ne change dans le paragraphe, logique. C'est lui qui vient de faire ce style. Pourquoi est-ce qu'en lui appliquant le style, ça changerait? Et vous allez pouvoir tester ailleurs dans le document, là où il y a du texte, ailleurs dans le document, vous allez pouvoir tester l'application de ce style de paragraphe. La lettrine est super grande, hein, mais bon, je suis en train de me rendre compte qu'on y est quand même allé un peu fort. Hein. Je mets le curseur sur un premier paragraphe d'une page, c'est quand même plus logique. J'applique le style ici, ça fonctionne. Ah tiens, ici c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'il sort du bloc, mais en fait c'est parce qu'il y a un bloc texte bizarre là. Donc je vais peut-être pas le faire à cet endroit-là, c'est le mauvais endroit, justement, ça donne l'impression que la lettrine sort, mais c'est... Alors allons sur la page 2. Voilà. Ok, j'applique le style. Cœur du texte, nouveau avec grande lettrine. Et voilà, parfait, c'est nickel. Bon. Alors, c'est pas fini les hacks de lettrine, mais on peut aller plus loin, mais ça, ce sera pour une autre fois. Faire sortir par la gauche, notamment. Vous enregistrez le document.